Salut à tous et salut à toutes. Les Bitigrou, à nouveau donc sur Infamous Second Son. Je vous ai laissé sur ce choix assez problématique. Est-ce que je suis pour le bien? Est-ce que je suis pour le mal? Alors, si je me rappelle bien des logiques Infamous, tout ce qui est bleu, c'est tout ce qui est le karma, le bon karma. Tout ce qui est rouge, c'est le karma négatif, donc tout ce qui est méchant. Je suis de nature gentille, je suis plutôt du tendance à me livrer. Et je vais sauver mon peuple, techniquement. Risquez votre liberté pour protéger Betty, je prenais pas un statut de héros, voilà. Par exemple, si j'ai choisi l'autre. Hop, mettre l'autre en danger afin de protéger le premier pas vers la statue d'infâme. Non, moi je suis plutôt un héros. Toujours. Ouais. Je suis un porteur. Quoi? Je vous dis, je suis un porteur, d'accord? Je viens de me choper il y a 2 secondes avec ce type. Oh, tu l'as chopé. Très drôle. Rodelcy. Alors, Betty? Vous pourrez peut-être me répondre, vous. Il paraît que ça fait mal. Premier niveau de karma, protecteur. Vous êtes engagé sur la voie des héros. Bah, c'est cool. Plus on évolue dans la même zone, dans le même cercle, plus c'est un Allez, trophée. Debout, Ok. Ah, faut grimper à votre niveau, mais l'effet annulant votre progression. Donc ça, ok. Donc pour C'est l'instant, quoi ce bordel? je suis sur le bon côté du karma. Ils ont transformé la grande maison en hôpital? À mon avis, l'autre taré a fait des trucs pas bien. J'ai dormi combien de temps? Je peux pas courir en fait, ça m'arrangerait. J'aime pas quand ça marche. Ah, oula, c'est joli ça. Éteignez cette foutue télé! Il y a des gens qui dorment! Ouais, on essaye. Et Nick, qu'est-ce qui s'est passé ici? T'es joli, toi, mon gars. Donc, on a fini de tourner. Ah non, il est branché. Oh, c'est pas vrai. Qui serait capable de faire ça? Oh bon. Elle a blessé combien de personnes? Et personne n'a pu l'arrêter. Messieurs. Let's soon. Ok. Donc on va essayer de retrouver Betty. Je crois que c'est elle. Non, en tout cas, elle a une... Ouais, je crois que c'est une nana qui a une sale gueule. En fait, vous n'avez pas la force de faire des gens complets, du coup, c'est dans pas vrai. Des ans, je suppose. Betty. Ah. Ah, Delphine, tu es réveillée. C'est Augustine qui t'a fait ça, alors? Oui, qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais te dénoncer à cette peau de vache. Et puis, sur le coup, j'ai eu l'impression que c'était la mode chez les jeunes de se faire percer les jambes. Alors, ça veut dire que tout le monde... On est des acomiches. On se protège les uns les autres. Rassure-toi, personne ici ne t'en veut pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta faute. Et... Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es. Tu n'y peux rien. Tu es né comme ça. Tout ce qui compte, c'est que je suis l'un d'entre eux maintenant. Tu n'es pas.
L'un d'entre eux. Ces bioterroristes hagards qui tuent sans le moindre discernement. Tu es un bon garçon. Il se trouve juste que tu as de la fumée qui te sort. C'est à cause de la fumée qui sort de mes doigts qu'on est dans ce pétrin. Et ne te mets pas à penser comme ça. Si c'est pour t'entendre jouer les rabat-joie, je préfère encore me rendormir. Il faut que je me repose pour reprendre des forces et me remettre sur pied. Je peux me détendre maintenant que tu es réveillé. Et ne t'inquiète pas, je vais m'en remettre. Vraiment. Tu verras. C'est pas facile. Elle tombe par terre. Merde. C'est chute de pierre. Pardon. Oh merde, Delsin. Oh. Bon sang, j'ai vraiment cru que t'allais y rester. Du béton dans les jambes. Il m'en faut plus que ça. Ouais. On dirait que la guérison accélérée fait partie de tes nouveaux talents. À ce propos, ce truc de dingue avec tes mains, ça a disparu ou pas? J'en sais rien, Reg. Et dire qu'on n'avait pas le droit de fumer dans la grande maison. Puis, je voudrais empêcher personne d'aller mieux. D'aller mieux? Hey, Delsin, ces gens, ils vont pas s'en remettre. Ils sont mourants. Ça t'en sait rien du tout. Non, mais les médecins qui les ont vus pendant que t'étais inconscient, ils savent. Ils ont dit que... Ils ont dit que ces éclats de béton ne pourraient ressortir que de la façon dont ils sont entrés. Quoi? C'était Augustine et son pouvoir avec le béton, là. Ouais. Eh merde. Ça veut dire qu'on doit aller à Seattle et la ramener ici. Hé, pas si vite, attends. Tu veux lui faire un numéro de charme en espérant qu'elle te suive? Arrête, Dieu, je sais que t'as pris un coup sur la tête, mais je te rappelle que c'était pas l'amour fou la dernière fois que tu l'as vu. Reggie. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'arrange ça. Non, écoute, Delsin, tu te remets à peine de tes blessures. Je sais que tu veux juste aider, mais d'après les médecins, le seul moyen... Le seul moyen d'enlever le béton, c'est d'utiliser le même pouvoir, je sais. Ce qui veut dire... qu'on n'a même pas besoin d'Augustine. Juste de son pouvoir. Ok, là, je te suis plus. Je suis une foutue éponge à pouvoir, t'as oublié? Si j'ai la fumée... Pourquoi j'aurais pas le béton? Ouais, mais et si la fumée n'était qu'un accident? Hein? Non mais réfléchis, il faudrait que tu passes quoi? Un millier de types du DUP pour arriver jusqu'à elle? Ouais voilà, quelque chose comme ça. Je te traiterai dans le pick-up. Au moins ça. T'as pas de pick-up, je... Ah, mon pick-up. D'accord. Bon, écoute, j'ai tout prévu, ok? On descend en ville, après ça, on fait le plein de pouvoir au buffet à volonté des porteurs. On peut aller à la Space Needle, j'ai toujours voulu la voir. Et on peut rentrer à la maison, sauver des vies. Tu réalises que quand on va descendre en ville, il y a grande chance que ce soit la ville qui nous... Tu sais, nous descende. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il y a 500 000 de personnes à Seattle qui se réjouissent pas d'avoir des bioterroristes parmi eux. Tu crois qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts? Non mais je suis pas comme ces types, compris? Ok. Mon but, c'est pas de foutre le bordel, mais de sauver des vies. Tu vois, je vais me la jouer à la Superman. Ouais. Soigner des gens. Hey, le héros, tu crois qu'ils vont se jeter à tes pieds? Réveille-toi un peu. Écoute, t'en fais pas, Adèle, ok? On va tout t'arranger. On va te soigner. Me soigner? C'est pas franchement normal que de la fumée te sorte des doigts, tu sais. C'est pas parce que c'est pas normal que j'ai forcément besoin de me faire soigner, ok? Van Gogh était pas normal. Gandhi était pas normal. Ouais, sauf que les gens n'avaient pas peur de Gandhi, d'accord? Les gens ont peur des bioterroristes, ce sont des monstres. Tu vois, arrête un peu avec tes préjugés. Oh! Vache.
Eh ben, on dirait qu'on va continuer à pied. À pied ? Hein, bah oui. Où est-ce que tu vas ? Hé ! Sans déconner. Regarde un peu ça. Écoute, tu sais, si jamais t'es pas sûr, je suis vraiment... Tu rigoles. C'est carrément génial. Carrément un carnage. Carrément de la légitime défense, mec. Ce barrage était là pour les choper. Ouais, parce que ce sont des bioterroristes. Eh ben, ils s'en sont sortis. Et ça arrêtera pas ce bioterroriste-là non plus. Je suppose que ça fait mal. Même pas. Cool. On se croirait en trip sous acide à Vegas. On dirait que c'est là que ça se passe. Oups. Putain, Delsin. Hé, est-ce que ça va? Les Mars? Ça va plus que bien, ouais. Je crois que j'ai chopé un nouveau truc. Ouais, c'est nouveau. C'est cool. Oh ouais, c'est carrément mieux et tout neuf. Oh non, Delsin, c'est tout sauf mieux ça. On essaie de régler les problèmes que tu as déjà, pas d'en rajouter. Quoi, tu crois qu'Augustine nous attend sagement sans rien faire? Il me faut tous mes pouvoirs si je dois me retrouver nez à nez avec la reine de béton. Hé, j'espère bien éviter ça, figure-toi. Écoute, il y a peut-être un autre moyen pour choper Augustine. Quel autre moyen, hein? Quel autre moyen? Écoute-moi, j'ai quelques bons contacts à Seattle, tu vois. Et j'en ai même certains dans la police. Non, c'est pas comme ça que le gentil Reggie va venir tout arranger. Quoi? C'est pas un problème qui te concerne. C'est mon problème. Théo, y a quelqu'un? Vous m'entendez? Voilà, parfait. Tu voulais aider quelqu'un? Va sauver la demoiselle en détresse. Quelqu'un? S'il vous plaît. Ok, d'accord. On y va tous les deux. Non. Je vais donc jouer au super flic, tu veux? T'inquiète, je te rattrape dans une minute. D'accord, mais ne bouge pas d'ici. Et je t'en supplie, surtout, ne touche à rien. Bon. Je compte bien toucher à tout. À tout. À toi l'honneur, petit. Eh ben, sur ce, parce que je suis désolé, en fait, les épisodes sont assez longs sur celui-ci, parce que du coup, on a... Eh, j'avais pas fini avec ça. Il suffit peut-être que je fasse le plein de fumée. D'accord. Ouais, je pourrais carrément m'habituer à ce truc-là. C'est une froche. Ah, d'accord. Donc en fait, il faut que je prenne de la fumée proche quand... D'accord. Ok, bon, je pense que les gens, on va s'arrêter. On se récupère dans un prochain épisode. Parce que... voilà. T'es sûr que ces voitures pourraient me refiler de la fumée? Ouais, exactement. Allez. À le prochain épisode, les gens. Ciao.